Bienvenue Ulysse Piero Martinetti de Caluso, Saint-André de la Notre École. Au même étage, nous avons notre bar qui nous propose tous les jours des produits d'excellente qualité, tels que des croissants, des sandwichs, des pizzas et du café. C'est l'étage B ou le premier étage. Ici, il y a les bureaux et les cafés. Nous avons des machines où nous pouvons trouver des collations. Sur les murs du rez-de-chaussée, nous pouvons trouver des photos des activités que les élèves ont faites les années précédentes. Ici, il y a les heures de cours pour les élèves. Au fond du couloir se trouve la salle de conférence, une grande salle où nos élèves nous réunissons pour faire des assemblées, réunions et événements. La secrétariat est le lieu où nous étudiants pouvons nous adresser au secrétaire pour des problèmes ou pour remettre des papiers servant à l'école. Il y a aussi un laboratoire de physique pour les activités scientifiques des élèves. C'est l'étage C. Ici, on peut trouver plusieurs salles de classe d'adresses différentes de la nôtre. C'est notre classe. Depuis le COVID, les tables sont séparées. Sur le bureau, nous trouvons le gel pour les mains et le nécessaire que les professeurs utilisent pour désinfecter une fois leur cours terminé. Les classes ont un ordinateur et un tableau interactif pour permettre à tout le monde de suivre même de la maison. C'est le plan D, où nous trouvons les ateliers et les classes de l'artistique, comme vous pouvez le voir dans ce magnifique tableau. Et ceci est un laboratoire pour l'étude des langues. Dans ce lycée, nous avons une classe qui joue l'artistique et nous avons un atelier d'art. Nous voici dans le laboratoire de chimie. Il se déroule les activités du laboratoire scientifique et chimique. Comme vous pouvez le voir, il existe des outils tels que les bêches et substantiels que les acétons nécessaires pour effectuer divers types d'expériences. Nous avons une salle de gym très grande et spacieuse qui a beaucoup d'équipements comme les paniers de basket et nous avons aussi un vestiaire pour changer. Parmi les outils, il y a des poids, ballons de basketball et de volleyball et bien d'autres. Dans notre école, il y a un terrain de beach volley qui a été récemment inauguré. Pendant les beaux jours, nous faisons de l'activité physique à l'extérieur et utilisons le terrain. C'est tout du lycée Martinetti. À bientôt.